Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Si bah on est chaud, on peut y aller. Alors, les gars, moi, ce que je veux, c'est qu'on vous encourage un maximum via le hashtag RicoShow et qu'on fasse péter le TT pour ces deux personnes que j'adore, Oda et Dako. Après, il va y avoir l'interview de Tonio. Il va y avoir ma surprise dans quelques minutes. Et là, il est temps de se faire plaisir. C'est des artistes hors normes. Je suis tellement heureux qu'ils soient là. Ils le méritent. Vous commentez comme ça durant la chanson. On voit l'ensemble de vos encouragements et Albor se relaiera tout. J'ai qu'une chose à dire, les gars, c'est à vous. Merci d'être là. Vous êtes dans le RicoShow, les 22h19. Tout le monde tape des mains. Dako, ce soir j'étais posé avec ma clique. Non. Et d'un coup j'ai un appel d'Emeric. Arrête. Yeah. Il m'a dit, ce soir y'a Tonio qui vient, donc prends-toi à la radio. Ben ouais. On le fait sans problème. Oh. Je crois que c'était dans le 14e. Oh. Sur Twitter, ça s'est bien passé. Ils disaient des légumes du genre cucurbitacées. Wow. Tu sais bien, il y avait des cucurbitacées. Yeah. Ça m'a donné faim, donc je suis parti au KFC. Non. Et là-bas, franchement, j'ai fait un hit. C'est la clé pour avoir une réussite. Bah ouais, au Rico Show, tout le monde est élégant. Non. Donc au KFC, on va au restaurant. Oh. Les menus sont beaucoup trop caloriques. Ils font des métaphores, c'est métaphosphorique. Yeah. Tu sais bien, on dit des mots compliqués. Yeah. Mais d'un coup, on se met à se prendre comme dans un tourniquet. Non. Et je vois un mec qui me sort du flow. Je lui ai dit, toi t'es chaud, viens donc au Rico Show. Oh. Personne n'est en galère. Non. Avec toute l'équipe, on se dit, on va prendre un verre. Oh. Dans un endroit qui est un petit peu relou, c'était loin de la France, c'était sur le Machu Picchu. Oh. Donc on est parti direct au Chili. Yeah. Et là-bas, je crois que c'était trop la folie. Non. Et je vois un mec qui était en galère. Il était bizarre. Il ressemble à un dromadaire. Non. Bien sûr que ça déboîte. Oh. Donc au Chili, on va en boîte. Oh. Là-bas, c'était trop galerie. Les Chiliens sont bizarres et font des espiègleries. Ça veut dire qu'ils font des trucs un petit peu chelous. Yeah. Mais je crois que d'un coup, j'ai une dalle de loup. Non. Donc c'est pour ça, je vois un mec de renom. Il est petit bizarre, on dirait un agapostement. Bah ouais, on est rentré dans la boîte. Non. Toujours le DJ, il a mis les watts. Oh. Y'avait une meuf pleine de discrétion. Elle a réussi à me faire une sécrétion. Oh. Tu sais bien, avec watts. C'est pour ça donc on se barre de la boîte. Yeah. Et d'un coup, moi, je suis pris de space. Donc j'invite Clarisse et Diane pour une soirée orgasme. Oh. Bah ouais, en gros, c'était la folie. Ah. Bien sûr qu'au Chili, c'était l'euphorie. Non. Là, je me dis, il est déjà 7h. Et Mouni, j'ai une petite idée pour l'after. Donc pour vous deux, je crois que c'est pas la fin. Yeah. En plus, je crois que Mouni est à la fin. Yeah. Dako, il lui dit, j'ai une soirée de gueudin. Et au final, les deux finissent dans un club libertin. 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 Bravo. Eh les gars, on a fait 20 Rico Show ici, j'ai jamais vu ça, j'adorais.